à tous. On est rendu dans la serre. Bon, c'est un peu désert. Si vous voulez souvenir de ce qu'il y avait dedans, je vous invite à aller voir le tour du potager. Bon, il y en a trois autres. Bonjour Tom. Je vous invite à aller sur YouTube voir le petit tour du potager. Bon, les trois là vont être replanté. Là, j'ai semé quelques courgettes en dernier et d'autres trombolino. Bon, ça devrait pas tarder de sortir. Bonjour Benoît. Bon, du coup, il y a un bourdon là qui est coincé dans la serre. Je vais vous montrer en même temps. Vous voyez, ça, c'est les drageons des tomates. Il faut bien les enlever. Il y en a qui les laissent, mais bon, après, ça fait un buisson. Et moi, je trouve pour ça top. Ah, on dirait qu'il y en a une. Ma première tomate. Ouais, elle est fécondée. Là, c'est une marmande, celle-là. Et pour rappel, ça avait été semé, ouais, le 8 mars. J'aurais pu en faire plus tôt. Bon, là, elles sont en train de reverdir un peu. Elles avaient stressé du rempotage en pleine terre. Parce que dans la serre, c'est pas une terre super. Bonjour Amélie. Il faut bien enlever les drageons. Bonjour David. Ah, il y a un puceron là. Ah, il a été parasité. Bon, il y a quelques taches, mais c'est des rampes dû au rempotage, c'est pas du mildiou. C'est pas bien grave, je peux l'enlever. C'est le mildiou en dessous, ça fait un feutrage blanc, mais là c'est juste. Ouais, c'est même pas de l'alternia. Mais bon, on va l'enlever. Là, c'est marrant, il y a une petite scarole qui va faire des fleurs. Les carottes. Bon, je sais pas comment sont les carottes chez vous. Là, elles ont l'air de bien pousser. Je vais pas les désépaissir. Comme je vous avais dit. Vous voyez, bon. Il y en a quelques-unes qui sont à touche-touche en carotte. Là, c'est les colmars, elles sont bien belles. Faire un petit coup d'arrosage, par contre. Et ça, la mauvaise herbe, elle pousse bien. Et du coup, ben, j'ai pas pu. Celle-là, là, je voulais en rempoter en pleine terre et avec le temps sec, ça va pas bien. Ça va pas bien, ça va pas bien. On va aller. Ben, en pleine terre, non, moi, elles ont mis 10 jours à net les carottes. J'avais eu de la chance, j'avais semé ça le 1er mai, les carottes dehors, et il y avait eu 8 mm derrière. Ah, les bourdons sont encore là. Regardez. On va avoir pas mal de framboises cette année. Je fais aussi des nantaises aussi, David, si tu connais. Putain, mais il y a du bourdon là. Bon, j'espère que l'image est top. J'ai eu ce téléphone. Là, on va pouvoir en mettre dans l'eau de vie. Je sais pas si vous connaissez, moi,
je mets les petites framboises dans l'eau de vie pendant 4 ou 5 ans. Là, ils sont heureux dans la forêt. Après, on va aller voir un petit peu. Un rosier ancien. Là, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, les framboisiers, ils ont été se balader là. Je les ai laissés tranquilles. Quelques iris. Des belles roses encore. Il faudra que je vous montre cet hiver comment je procède pour le taillage. Parce que je trouve que c'est intéressant quand même de montrer comment on taille les rosiers pour qu'ils aillent de belles fleurs et qu'ils poussent bien. Après, un autre encore. Il y a des fleurs partout. Bon, ce qui m'embête à chaque fois, c'est que j'ai beau tailler à ras là. Il veut tout le temps aller sur la serre, ce rosier là. Il m'embête. Il va falloir que je laisse fleurir les roses et on va tailler à ras là-bas. Pour éviter qu'il me perce ma bâche. Parce que bon, ça serait embêtant. Hop. Que je tombe pas quand même. Et là, on va avoir une... Ouais, ça va être super. Là, en ce moment, on mange des fraises à gogo. On a fait les premières confitures hier. Elles sont excellentes aussi à manger. Et là, quand les fraises seront finies, bah, il y aura de quoi faire en framboise. Voilà, voilà. Bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Profitez un peu du jardin avant de rembaucher. À bientôt.